Salut à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, c'est une vidéo unboxing, donc je vous montre. Mon frère, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises maintenant, m'a fait envoyer un colis qui pèse son poids, rempli de livres. Donc il a sélectionné dans ma wishlist des livres et il me les a achetés et il me les a envoyés. Donc c'est trop mignon et j'ai trop hâte de voir ce que c'est parce qu'évidemment vous vous doutez bien qu'il ne m'a rien dit. Sinon ça serait pas drôle. Il m'a fait des devinettes le connaissant qui vont être insolubles mais on va essayer. Donc on va regarder ça ensemble. Alors a priori il y en a 6. Alors le premier. Alors le premier, je pense que je sais ce que c'est, parce que ça, à mon avis, c'est des chiffres romains. Et c'est 1963 en chiffres romains, et je vois très bien quel livre je voulais, qui s'appelle 1963. C'est 1963 Alabama, qui va parler de racisme. Donc on va voir ça tout de suite. Donc c'est Alabama 1963 de Ludovic Manchette et Christian Niemek. Qui va parler de disparition de fillettes noires et j'imagine de racisme parce que je crois que j'ai entendu parler, je sais pas si je me trompe, c'est possible, mais en gros on se fiche un petit peu du sort des enfants noirs qui disparaissent. Donc lui ça fait longtemps que je le veux, ça fait longtemps que j'ai très envie de le lire, donc je suis ravie et surtout ça me permet de lire autre chose que de la SFFF, donc c'est plutôt cool. Alors le numéro 2. Je pense que c'est les lettres à remettre dans le bon ordre. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas un anagramme qu'il faut remettre les lettres dans le bon ordre. Je pense que c'est ça, mais alors franchement, c'est vraiment pas un truc où je suis forte. Femme. Une femme. Je vous montre. Alors, il y a peut-être femme. Je sais pas. Là, ça serait femme. Je sais. C'est, je pense, Né d'aucune femme, qui est un roman aussi qui est... Bah, sur... bah, ils sont tous sur ma wishlist, donc pourquoi je dis ça? Né d'aucune femme. Je sais plus de quoi ça parle. Ah, d'accord. Il n'a pas mélangé les lettres. En fait, il a juste déplacé les espaces. Né d'aucune femme. Je n'ai plus souvenir de quoi ça parle. Je sais juste que s'il est sur ma wishlist, c'est qu'il me fait envie. Je vous montre. Né d'aucune femme de Frank Bouys. Ah oui, c'est ça. Je sais plus de quoi ça parle. On verra. En tout cas, parce que là, le résumé, c'est pas... Je me souviens pas de ce résumé-là. Je pense que j'avais dû voir un autre résumé. Ça parle de secrets, je pense. Secrets de famille, quelque chose comme ça. Bon, on verra. Mais en tout cas, il me faisait très envie. Il avait l'air vraiment, vraiment hyper intéressant. Bref, je vous en reparlerai quand je l'aurai lu. Le troisième qui m'a pas l'air d'être un poche, hein, concrètement. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bon, je sais pas. Franchement, je... Mais ça m'embête parce que j'ai... Je sais que quand je vais le voir, je vais me dire « Ah, mais oui !» Rudel. Qu'est-ce que ça peut être? Bon. Tant pis. Ah, je suis trop contente! C'est trop bien! Pourquoi Rudel? Je crois que c'est une référence que j'ai pas. Hein. Bon, bah, je l'ai bien fait regarder parce que franchement, je l'ai pas. Mais je lui demanderai de m'expliquer. Oh, je suis trop contente. J'ai tellement envie de le lire. J'en ai eu tellement de bons retours. Et en plus, il fait partie de la sélection du Plib. Ça va être trop bien. Je sais pas exactement de quoi ça parle, mais ça parle de loup-garou, mais apparemment traité différemment de ce qu'on a l'habitude de voir. Apparemment, il est génial. Donc. Je suis trop contente, j'avais tellement envie de me le prendre. Et je résiste depuis que Pénélope l'a lu. Trop cool, trop bien. Ensuite, le 4, travaux pratiques. Alors, je me demande si ça serait pas... sur ma wishlist, il y avait le livre de Christelle Dabos qui parle de l'écriture de la passe-miroir. Donc, c'est plutôt un livre technique. Est-ce que ça serait pas ça? Travaux pratiques. Je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être le livre de Christelle Dabos qui va parler de la passe-miroir.
suis désolée si vous entendez le bazar en fond, mais il faut que je tourne maintenant, parce que sinon je ne pourrai plus et que je ne vais pas tenir jusqu'à demain. Donc on a le bruit du menuisier qui rabote les portes. Je pense que c'est le... Je pense, hein. Je vois pas ce que ça peut être d'autre. D'accord, je l'ai. TP. Terry Pratchett. Ah, trop bien. En plus, il est trop beau, mais il est vraiment trop beau. Donc, c'est le premier tome, c'est la 8ème couleur, les annales du disque monde. Je crois que c'est le premier à lire. Il est trop beau, c'est la Talente. Hein. La couverture est magnifique, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus joli que les couvertures de poche. Et il y en a priori 4 de publiés. Si vous ne connaissez pas Terry Pratchett et les annales du disque monde, c'est de la fantasy parodique, ça parodie la fantasy. Et les annales du disque monde, en fait, c'est un monde sur le dos d'une tortue qui se déplace, il me semble, quelque chose comme ça. Et il y a plusieurs histoires de plusieurs personnages en cycle à travers les annales du disque monde. Donc voilà, je suis trop contente. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais j'avais entendu dire que le traducteur de Terry Pratchett, donc Patrick Couton, est un excellent, excellent, excellent traducteur. Et qu'il me semble que Terry Pratchett lui-même a dit que c'était de toutes les traductions qui existent, et il y en a un paquet, c'était vraiment la plus fidèle à... Eh bien, à son œuvre. Donc je suis trop contente, il est trop beau. Et j'ai vraiment très très hâte de me plonger dans les annales du disque monde. Il s'est pas foutu de moi, le petit frère. Bon, du coup, j'ai 2 sur 4. Il faut que j'ai au moins la moyenne. La moyenne de la devinette. Alors, le 5. Des citadins dans la brume. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est sur ma wishlist, donc a priori, je suis censée pouvoir deviner. Sauf qu'il y a 150 livres sur ma wishlist, et que parfois, il m'arrive, ce que je disais à mon frère, de voir un livre, de me dire « Oh, il a l'air bien !» de vouloir le mettre sur ma wishlist, et de réaliser qu'il y est déjà, et que j'avais oublié que je l'y avais mis. Donc c'est un petit peu compliqué. Des citadins dans la brume. Je me demande si ça peut pas être... le Robin Hobb, le soldat chaman. Même si je vois la couverture un peu brumeuse, mais pas sûr. Sinon, un truc qui pourrait avoir rapport avec la brume, ça serait les voleurs de fumée, mais je pense pas que ce soit ce format-là en fait. Après, franchement, pour Alabama 1963, j'imaginais épais et en fait non. Donc, je me demande si c'est pas les voleurs de fumée parce que de mémoire, il y a une ville et la brume. Ça sera pas Robin Hobb en ce format, je pense pas que ce soit Robin Hobb. Peut-être les voleurs de fumée. Ou peut-être Charakai. Charakai, c'est pas aussi une couverture un peu brumeuse comme ça. Ah. Trop cool. Ah, trop cool. Eh, mais il a craqué. Il est fou. Enfin, je suis incroyablement contente, mais punaise. Quand il fait des cadeaux, il fait pas semblant. Les habitants du mirage. Effectivement, les habitants du mirage. Oui, effectivement. Effectivement. Je voyais plus une couverture. Alors, bon, bref. Je sais, je lui en avais parlé en plus parce qu'en fait, si vous voulez, c'est Abraham Merritt, donc, qui écrivait avant Lovecraft. Si je ne me trompe pas, c'est une des inspirations de Lovecraft. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais je crois que j'avais vu ça quand j'avais recherché, parce que en médiathèque, j'avais vu cette couverture magnifique. Et bref, voilà, j'avais regardé. Mais c'est vrai, franchement, le résumé, c'est, on dirait du Lovecraft. Hein. Au cœur des neiges éternelles de l'Alaska résonne une étrange mesure, comme une pluie de tambour, un appel impérieux. Conduit jusqu'au pays de l'ombre, Lef y rencontre la belle Evali, ainsi que la sorcière Lure, digne héritière des Valkyries nordiques, qui reconnaît en lui l'incarnation d'un grand roi du temps jadis, le terrible Dwayanu. Celui-ci surgit bientôt des ombres de son inconscience, s'emparant de l'esprit de Lef. Il va pourtant falloir faire face, car la guerre fait rage à présent. Mais comment sauver Evali et son peuple, alors qu'il est lui-même habité par leur plus grand ennemi, et qu'il vient d'invoquer l'insatiable Kalkrou. Kalkrou ? Trop beau, il est trop beau. Franchement, magnifique, il est sous blister.
Je l'ouvrirai après. Et on passe au dernier qui est une pavasse. Heureusement que je lui avais dit, parce que quand il m'avait parlé de me prendre des livres, je lui ai dit tu prends des poches surtout. Parce que, enfin voilà, c'est un budget des bouquins quoi. Il y a 2 poches sur 6. Alors 6, le club des 5 avec Madame des mauvais jours. Le club des 5 avec Madame des mauvais jours, je pense que c'est Lady Hélène, Lady Madame. Et le club des mauvais jours, je crois que c'est le titre de Lady Hélène. On va vérifier. Le club des mauvais jours, Lady Hélène, de Alison Goodman. Je me rappelle plus bien, mais en fait, comme tous, vous me direz. Je crois que ça parle d'une aristocrate anglaise, peut-être 19e siècle, quelque chose comme ça, qui doit faire un mariage avec un homme. J'ai envie, voilà, classique. Mais je crois que le problème est qu'elle a des pouvoirs magiques, quelque chose comme ça, de mémoire. Très franchement, ça fait longtemps que j'ai envie de le lire. Et je m'étais jamais penchée dessus jusqu'à présent. Mais je suis contente, je vais pouvoir le lire. Ouais, c'est ça, le club des mauvais jours. Voilà, donc j'ai été plus que gâtée, très clairement. Parce que là, j'ai quand même... Et en plus, il y en a un 7e qui est pas... qui est resté... chez mon frère. Et il m'a dit ce que c'était pour pas que je l'achète. C'est Les Sœurs Hiver, qui est magnifique, qui me faisait très envie. Et il me l'a dit parce qu'il ne voulait pas que je l'achète. Donc je sais qu'il y en a un 7e. Merci beaucoup. Donc je vous fais un récap. Et après je vous laisse. Donc il m'a offert Alabama 1963, qui va parler de racisme et qui va être une enquête pas policière. Je pense que c'est plutôt des détectives. Née d'aucune femme de Frank Bouys, dont je ne sais plus l'histoire, mais je sais que Frank Bouys est quand même assez recommandé pour sa plume. Ça sera l'occasion de découvrir. C'est vrai que le dernier, j'ai vu beaucoup de retours assez négatifs, donc celui-ci me parlait plus, même si je ne me rappelle plus franchement clairement du résumé. Ensuite, il y a le tome 1 des Annales du Disque Monde, La 8e couleur, de Terry Pratchett, qui est vraiment dans une édition magnifique. Mais de toute façon, la Talente, ils font toujours des trucs... Enfin, moi, j'aime beaucoup le travail de la Talente. Très, très beau. Il y a Les Habitants du Mirage d'Abraham Merritt, qui va sûrement être... je crois que c'est Heroic Fantasy. Un peu à la... Faut que je le débiste. Il est trop beau. Bref, on verra. Meute de Karine Renberg, qui fait partie des sélectionnés du Plib, qui a l'air incroyable. Et enfin, Lady Hélène, donc... Voilà, j'ai été plus que gâtée, donc je suis hyper contente, je suis vraiment hyper contente. Pour tout vous dire, j'ai envie d'attaquer Meute, là, tout de suite. Ça fait hyper longtemps que j'ai envie de le lire et je vais enlever le bandeau, enfin les bandeaux c'est pas joli. J'ai envie de lire Meute, voilà, donc bref. Ah c'est drôle, à chaque début de chapitre on a la... Comment dire ? À chaque début de chapitre, on a une évolution de la lune. Donc elle est... Alors attendez, ça démarre sur quoi ? Sur pleine lune ou sur nouvelle lune ? Ouais, ça démarre sur nouvelle lune. Bref, voilà. Donc je suis hyper contente et reconnaissante. Je le remercie beaucoup, mon frère, qui est trop mignon et trop gentil. Et qui m'a fait plaisir plus que de raison, parce que là, quand même, on est sur une sélection, une très belle sélection. Et je suis contente qu'il ait choisi, parce que c'est vrai que du coup, il y en a que j'aurais pas acheté en priorité, ou que j'aurais pas lu en priorité, je veux dire même en emprunt, peu importe. Et je suis contente du coup de... Eh bien de... Là ça va m'obliger à les... Enfin ça va m'obliger. Ça va me pousser à les lire quoi, puisque... voilà. Notamment celui-ci là, Les Habitants du Mirage, que je trouvais magnifique. Oh, c'est une très belle édition. Hein. Je vous montre. C'est une édition illustrée. Ah, c'est trop beau. Bref. Donc, je vais vous laisser. Je vais l'appeler. Ah, magnifique. Je vais l'appeler et je vais parler avec lui de toute cette sélection de livres incroyables. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce que je ferai pour ces livres, c'est que je ferai le principe Biblio Haul.
je ferai une vidéo dédiée où j'en parlerai, soit plusieurs en même temps si je les ai bien aimés, mais voilà. Si vraiment j'ai un coup de cœur, je ferai une vidéo dédiée pour ces bouquins. Et puis je vous en reparlerai de toute façon parce que je pense que ce sont tous des bouquins intéressants, donc ça vaut le coup d'en reparler. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.